Est-ce que après cette année, je garde toujours un visage aussi frais et tiré que l'année dernière? Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue en 2020. Bonne année à tous, tout ce que vous voulez, etc., etc. Vous connaissez les stupidités que tout le monde dit. Next. Ok, donc vous êtes plusieurs à me demander la même vidéo que j'ai fait l'année dernière, que je vous link juste ici. C'est en gros mes favoris de l'année 2019. Donc cette vidéo a regroupé en gros du maquillage, du soin et peut-être something random, je ne sais pas. Bref, oui, je porte le même pull que dans une vidéo précédente, mais je l'ai lavé, donc ne vous inquiétez pas. Et on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être très 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 long. Donc avant ça, je vais juste vous faire un petit rewind de mes réseaux sociaux pour que vous sachiez un petit peu où on en est. Donc sur Instagram, on arrive à 50 000 abonnés, sachant que l'année dernière, si je me souviens bien, j'étais à 20 000, peut-être un petit peu moins même. Donc c'est vraiment très cool, merci à tous, je suis très content que vous soyez toujours avec moi. Sur YouTube, on arrivait à plus de 42 000, sachant qu'on avait... Enfin, il y avait la vidéo de Jeffree Star qui arrivait en fin d'année qui m'avait fait gagner pas mal d'abonnés, mais on était à quelque chose comme 20 ou 30 000, donc c'est vraiment très cool aussi. Je suis content de savoir que ça vous intéresse toujours autant. Donc sur Instagram, on a fait 150 posts, et ce qui regroupe 523 000 likes en tout, donc un demi-million, plus d'un demi-million de likes. Je suis vraiment très content, merci beaucoup. Écoutez, peut-être que l'année prochaine on va atteindre le million, qui sait. Je me souviens que l'année dernière, je crois qu'on était à 200 000 likes, donc c'est vraiment très cool. Bref, sur ce, là je vais vous présenter 1 milliard de produits, donc c'est parti. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux d'ailleurs, Instagram, Twitter et TikTok, n'hésitez pas, tout s'affiche ici, et je suis très présent sur tous. Un peu moins sur Twitter, mais très présent sur tous. Voilà. Sans plus tarder, on commence par les bases. Donc au niveau des bases, vous savez que je suis un grand grand fan de base. Donc j'ai principalement utilisé des produits qui sont sortis cette année. Après, cela étant, il n'y a pas vraiment que ça, il y en a aussi un peu d'autres. Parce que malgré tout, tout ce qui est sorti cette année ne me plaisait pas forcément. Et je vous montre vraiment ce que moi j'ai utilisé au cours de cette année. Donc la base qui est sortie cette année, que j'ai adorée, c'est la Fenty Soft Silk. Donc vous savez que j'ai adoré la version originale, la première base qu'ils ont sortie. Là, c'est la version hydratante. J'ai reçu également la version matte. Je sais même pas si j'ai encore. Parce que honnêtement, la version mat, je trouvais qu'elle faisait pas du tout ce qu'elle disait. Enfin, je trouvais pas du tout qu'elle avait un effet mat. Je voyais pas en fait où était le rapport avec quelque chose de mat. Enfin. Bref, c'est pas du tout mon truc. Celle-ci, en tout cas, elle est assez épaisse et elle fait vraiment une peau très très lisse et très très hydratée. Je sais pas si je la préfère à l'original. J'ai peut-être une petite préférence pour l'original qui a un côté un peu plus lissant. Mais en tout cas, celle-ci est vraiment géniale et moi je l'ai adorée. Je l'ai utilisée énormément toute cette année. Une autre qui est arrivée assez récemment et qui, enfin, qui du moins qui est revenue récemment vu qu'elle était en France et ensuite elle est partie et ensuite elle est revenue. Donc c'est la Original Skin de Origins et en fait c'est une base en mousse. Regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Attention, 3, 2, 1. Ah, ça en met partout, voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui va crépiter. Bref, c'est une base en gros qui va crépiter, qui a un côté du coup très 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 froid. Enfin, genre. C'est pas glacial non plus, mais c'est un côté très froid. Elle est totalement transparente et elle a également en fait un. Je trouve, je sais pas comment ils la vendent comme quoi. Base rafraîchissante perfectrice. Perfectrice. Et, ça veut tout et rien dire, mais moi je trouve qu'elle a un côté en fait légèrement tenseur et en même temps un côté un petit peu raffermissant. Donc je trouve ça très agréable et je trouve que c'est une de seules bases à faire ça. Donc honnêtement, si vous avez, si vous voulez avoir une peau un peu plus lisse, les pores un peu resserrés et en même temps pas une peau desséchée, génial. Bravo Origins. On va passer du coup au fond de teint. J'essaye de faire un peu dans l'ordre. Ah, attendez, j'ai oublié une seule base. Attendez, il y a une chose que j'ai utilisée toute l'année. Voilà, ça. Du coup, c'est une autre base, mais ça, c'est plutôt en fait une crème solaire de ville. Donc, c'est la nouvelle Ultra Light Daily UV Défense de Kiehl's. Donc, en gros, c'est une base qui va. Ils en avaient déjà une dans une version un peu plus grasse. Et cette année, ils ont sorti la version gel qui, je trouve, est vraiment incroyable. Elle a un côté en fait très aqueux, ce qui fait que du coup il n'y a pas du tout d'effet gras et elle est tellement tellement pratique. Genre regardez, j'en prends un petit peu sur mon doigt. D'habitude vous savez, ça est tout le temps blanc les crèmes. Et bien là regardez, en 2 secondes il n'y a plus rien. Elle sèche, elle n'est pas grasse, elle est hyper facile à appliquer et elle a un côté légèrement lissant. Et elle est, c'est un SPF 50 contre UVA et UVB. Franchement, Kiehl's, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et il y en a énormément, vous voyez, je l'ai utilisé tous les jours. Et franchement, 60 000 litres, bah, il me reste encore la moitié, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, protégez votre peau des UV tous les jours. Enfin, moi, je fais partie des gens qui la protègent tous les jours. Parce que je trouve que ça. Enfin, vous le savez, le soleil est responsable en grande partie du vieillissement cutané. Et du coup, c'est toujours bien de se protéger la peau pour éviter, en fait, ben, de à 40 ans, paraître 50, quoi. Bref, vous avez compris l'idée.
Ensuite, on passe au fond de teint. Donc, j'en ai un milliard que j'ai adoré cette année. Mais en fait, deux qui sont vraiment restés mes stable. Des choses en fait, que j'ai mis toute l'année. Donc, quelque chose qui n'est pas sorti en 2019, mais qui en tout cas m'a accompagné tout le long. C'est les beiges en cushion. Donc, en fait, les beiges cushion, moi je m'attendais pas du tout à aimer en fait. Un cushion aussi léger parce qu'il est vendu comme quelque chose de léger, et en fait c'est le seul cushion à ma connaissance qui en fait a une espèce de filet. C'est pas du tout, vous savez, une mousse, enfin un coussin rempli de produits. C'est vraiment comme un filet en fait avec du produit en dessous, et plus vous appuyez plus ça en sort. Enfin, je trouve ça vachement sympa et c'est un peu plus pratique à utiliser. Honnêtement, à chaque fois que je partais en voyage, je le prenais. Je trouvais que c'était un des rares produits qui était léger, mais avait quand même un côté vraiment super magnifiant sur le visage et hyper lumineux. C'est vraiment, je crois qu'il s'appelle Elfie Glow, non? Elfie Glow Gel Touche Foundation. Et en plus, il y a un SPF 25. Honnêtement, vous savez que j'adore les cushions. Et celui-là, il est vraiment incroyable pour un cushion d'une marque française. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Il est un peu cher, mais honnêtement. Ma couleur, en tout cas, c'est la 20. Quand je veux avoir un teint, genre moi, mais en tête légèrement plus doré, sinon c'est 10. Ma couleur. Un autre fond de teint qui est sorti cette année en France, et je crois qu'il est sorti aussi pour la marque cette année, je vous ai fait une vidéo dessus. C'est une vidéo sur la marque Charlotte Tilbury, et du coup c'est le Airbrush Flawless qui, honnêtement, au début je vous avais dit dans la vidéo que je trouvais jaune machin je sais pas quoi, que j'étais pas sûr. Watch out, j'ai jamais trouvé un nom aussi équivoque. Il s'appelle Airbrush, et honnêtement il a vraiment ce côté en fait ultra Airbrush. Enfin, j'ai une peau qui n'a pas du tout de, enfin spécialement d'imperfection, tout ça, donc du coup ça fait souvent un joli fini. Mais honnêtement, là je voyais un effet supplémentaire. Il est super couvrant, il est très joli, et je me suis étonné moi-même à l'utiliser très souvent, même si la couleur n'est pas exacte, parce qu'il a vraiment un fini qui est genre incroyable. Incroyable. Donc je trouvais que ça valait le coup de le mentionner, parce que chez Charlotte Tilbury tout n'est pas bon, et ça c'est vraiment un produit qui pour moi s'est démarqué cette année. Les anti-cernes, j'ai bien dit. Donc, une nouveauté de cette année, je crois que c'était en février, c'est de la marque Make Up For Ever, c'est le Make Up For Ever Ultra HD Concealer. Alors, vous allez vous dire pourquoi il est si foncé. Parce qu'en fait, moi, je l'aime beaucoup en 10 et en 34. 34, en fait, c'est la couleur qui va me servir à corriger mes cernes, parce que je corrige toujours mes cernes en dessous de mes anti-cernes. Et en fait, c'est un des rares anti-cernes, je trouve, qui marche sur toutes les peaux, parce que je l'utilise aussi dans mon kit pro quand je maquille des gens. Et même sur des personnes avec le dessous des yeux ultra ridé, il est incroyable. Il est super lumineux, il est longue tenue, il est très très fin. Du coup, moi, ça permet d'en mettre en fait en dessous de mon anti-cerne sans que ça fasse... Je parle vite, désolé, c'est pour éviter que la vidéo dure 1000 ans. Sans que ça fasse des épaisseurs. Donc voilà, et j'utilise aussi le 10 par-dessus un autre pour éclairer. Parce que c'est un des rares en fait à être vraiment vraiment très clair sans être blanc. Sinon, un anti-cerne qui m'est sorti cette année qui m'a beaucoup beaucoup plu, c'est le Boeing de Benefit. Je m'attends, en fait chez Benefit il n'y avait aucun anti-cerne que je trouvais oufissime. Genre j'ai le Aerospace, enfin le Boeing, le hydratant je sais pas quoi, il est pas terrible. Le seul que j'aimais à la limite c'est le Airbrush et le Industrial, mais en fait j'aimais pas le fait que ce soit en peau. Moi je préfère quand c'est liquide. Et du coup celui-là en fait, le Boeing Cakeless Concealer, il est vraiment 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 génial. Il a une très bonne couvrance, il est très lumineux, il couvre bien, enfin franchement super bien. Et moi c'est la teinte 1. J'aimerais juste qu'il fasse une teinte plus claire, mais en soi je mets la teinte 1. Et le dernier que vous ne pouvez pas trouver en France, mais je me suis dit que pour ceux qui voyagent ce serait assez pratique, Milk Makeup, du coup c'est le Flex Concealer. Franchement genre trop bien, hyper lumineux, hyper couvrant. Enfin, que demander le plus? Moi je sais pas quel teint j'ai, c'est pas marqué dessus. C'est hyper étonnant, c'est assez clair. Porcelaine, du coup moi je mets la teinte porcelaine qui est très très claire, je crois que c'est la plus claire. On dirait pas dans le tube, mais en fait il est vraiment vraiment super clair. Et Milk, vous savez que c'est une marque que j'adore de ouf. Enfin, j'aurais pu vous mettre encore une fois dans les bases le blur stick, mais bon, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, donc je me suis dit que s'il était temps de changer de sujet. Donc voilà pour les anti-cernes. Maintenant on va s'attaquer à quoi après l'anti-cerne? On met la poudre, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai comme poudre? Ah oui, j'en ai une, parce qu'en fait j'ai utilisé beaucoup la Jeffree Star que j'ai fini, que j'adore énormément, genre elle est incroyable, la Jeffree Star, c'est la meilleure poudre contre les yeux du monde. Sinon j'utilise aussi la Huda, mais je vous en ai déjà parlé de ces deux poudres, donc je me suis dit que j'allais vous parler d'une poudre que j'ai beaucoup utilisée et dont je n'ai pas parlé. C'est la poudre 1000 que vous pouvez trouver nulle part, c'est hyper chiant, je sais. Mais cette poudre, elle était, j'utilisais que pour mon visage, pas pour mon dessous des yeux, et franchement elle est genre hyper bien. Elle lisse vachement bien, elle est bien transparente, elle est, je sais pas, elle fait vraiment le job. Le packaging est sublime, et en fait, je sais pas si vous entendez, mais le packaging a vraiment des bruits en fait de
qualitatif et ça n'est pas plastique, alors pourtant c'est du plastique, donc chapeau, je trouve ça très cool. Next, highlighter. Du coup, en highlighter, un des produits que j'ai énormément utilisé et qui n'est plus dispo en... vu que c'était une édition limitée, mais je me dis que peut-être que si Nars regarde cette vidéo, puisque comme vous le savez, j'ai 3 millions d'abonnés, donc ça les intéresse vachement ce que je dis. C'est la palette Orgasme qui est dans la collection Orgasme, logique. Donc c'est palette Deep Orgasme, c'est ça, Endless Orgasm, et en fait c'est que des teintes dérivées des teintes Orgasme. Et en fait moi je l'utilisais vraiment avec un pinceau, un pinceau un peu comme ça, vous savez, les petits, un petit pinceau boule comme ça. Et je m'en servais à la fois comme blush avec les teintes qui sont un peu plus foncées par ici, et à la fois comme highlighter avec surtout celui-ci qui est genre incroyable. Je vais essayer d'en remettre par-dessus pour que vous voyez. Est-ce que vous verrez bien? Approchez-vous. Regardez. Là, vous voyez bien, je crois. Ouais. Enfin, voyez, c'est vraiment trop beau. Et elle se finit pas vite en plus, donc moi, vraiment, enfin, je m'attendais pas à l'aimer autant, mais vraiment elle est incroyable cette palette, et c'est la seule matière où vous avez en fait tous ces fards irisés crème et avec des si belles couleurs, donc I love it. On reste dans la même gamme dans les highlighters, avec deux highlighters dont un que vous pouvez trouver en France, vous allez être content, et qui est encore disponible. C'est un highlighter Tarte. Alors vous savez que Tarte c'est pas une de mes marques préférées, je trouve que leurs produits globalement sont genre meh. Mais leurs blush et leurs highlighters surtout sont vraiment incroyables. Genre j'ai le Expose Highlight, il y a trois couleurs d'highlighter, et en fait c'est l'highlight que j'ai, enfin j'ai du coup en dessous de l'orgasme, et souvent, bon, ça sent hyper fort la vanille par contre, je mets ça et ça par dessus, et en fait c'est vraiment quelque chose qui va être hyper 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 brillant. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bref, il est hyper brillant et en fait il n'y a aucune paillette, c'est vraiment que un effet nacré. Et c'est un des rares à avoir vraiment cet effet nacré. Je trouve que la texture ressemble beaucoup aux highlighters Ofra, si vous connaissez. Et j'imagine que c'est beaucoup plus facile à trouver vu que c'est vendu dans tous les Sephora. Sinon, encore un truc que vous ne pouvez pas trouver, mais je me dis que tant qu'à faire, je vous montre tout ce que j'ai aimé. Et après, vous vous débrouillez si vous voulez le trouver. C'était pas très gentil, désolé. Du coup, c'est le Makeup Milk Makeup Flex Highlighter. Donc en fait, ça, si vous voulez, ça va être vraiment le même genre que celui-ci. Sauf que celui-ci, il paraît doré comme ça, mais en fait, en vrai, il est plus rose, or froid. Alors que celui-là, ça va être vraiment un doré. Et honnêtement, je l'ai utilisé très très souvent. Il est vraiment génial. Je l'ai autant utilisé que les highlighters libres Anastasia, mais ça, pour le coup, vous pouvez pas les trouver. Et je me suis dit que ce serait encore plus bête de vous les montrer parce que ils sont incroyables et vous ne pouvez pas vous les procurer. Voilà. En poudre. J'ai une autre poudre, bon, elle est un peu sale, excusez-moi. C'est la Laura Mercier Candle Glow Powder. Et en fait, c'est une poudre qui va avoir un effet nacré. Alors, je vais essayer de vous le... Ouais, je pense qu'on voit légèrement si je mets là. En fait, c'est une poudre qui a vraiment un effet nacré. J'en ai mis sur ma main. Je suis pas sûr... Attendez, je vais en mettre plus. Je suis pas sûr que vous voyez. Mais en fait, c'est une poudre visage qui a un effet légèrement soyeux. Ça a vraiment en fait un effet très soyeux et pas nacré ni irisé, c'est vraiment de la soie. Ça fait hyper beau et moi je sais que l'highlighter, j'aime pas le descendre plus bas que là. Puisqu'après ça met en valeur les pores et la joue, donc du coup en fait j'aime bien mettre cette poudre là, tout là, et ensuite mettre l'highlighter juste ici. Et du coup ça fait comme un pré-highlighter et je trouve ça très agréable à porter. Et très joli, et notamment moi je l'ai conseillé à plein d'amis pour les shootings, parce que je trouve que c'est vraiment une poudre qui se démarque et qui a vraiment un côté... ultra glowy sans mettre en valeur les défauts. Elle est très fine et franchement c'est super, enfin c'est hyper étonnant, et je pense qu'en bronzer vu qu'il y a du teint plus foncé, ça doit être très joli aussi. Voilà. What's next? Blush. Oui, blush, j'en ai deux. Donc j'ai les blushs en fait Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury. Honnêtement, il y a plein de couleurs. Moi, j'ai mes deux couleurs préférées, c'est... Enfin, en fait, je pense que j'aimerais bien en tester d'autres, mais c'est Ecstasy et Pillow Talk. Et en fait, je trouve que ces couleurs-là sont vraiment des... C'est des blushs qui ont un côté super lumineux et en même temps hyper diffus. Enfin, c'est vraiment ce côté ultra, genre, pro et facile à estomper et beau. Et étonnamment, j'ai jamais trouvé ça. Enfin, genre, je m'attendais à ce que ce soit juste des blushs classiques lumineux. Et en fait, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très lumineux. Dans un registre un peu différent et qui est encore dispo normalement, vous avez la palette de Noël dans la collection Club 69, je crois, c'est ça. Non, n'importe quoi, ça c'est dans Drag Race. Club 64. Je me souviens même plus, avec tous les trucs de Drag Race, j'ai oublié le nom du club, excusez-moi. Bon, bref, vous voyez, c'est le.
club iconique à New York. Et du coup, ils ont sorti une palette avec plein de couleurs, dont certains, à mon avis, qui n'existent pas autre part. Vu qu'il y en a... Luster, je l'avais déjà vu, mais oui, Crave, je connaissais pas. Enfin bref. Du coup, j'aime beaucoup cette palette parce qu'en fait, vous avez à la fois du chaud, du neutre et du froid. Et du coup, c'est très facile de l'emporter en voyage et de faire ce que vous voulez avec. Moi, aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis ça, donc la plus claire, tout là. Et ensuite, sur les côtés, j'ai mis un peu plus de celle-ci. Et ça fait vraiment l'effet rougi un peu au soleil. Et si vous mettez un peu de luster dessus, qu'un espèce d'highlighter, highlighter blush orangé, ça fait vraiment un effet ultra bronzé. C'est très très joli. Moi, je... enfin, d'ailleurs, je vais en mettre un peu plus. Je trouve que c'est vraiment une très belle palette. Donc par exemple là vous voyez, je vais prendre le clair que je vais mettre tout là, ensuite le un peu plus foncé que je vais mettre ici, et ensuite la version un peu dorée tout là. Ça donne vraiment un effet en fait un peu bronzé, c'est hyper joli. Est-ce qu'on a fini pour le maquillage? Ah non, les bronzers. Donc il y en a un qui a retenu mon attention cette année, qui est dispo que sur Vanaine, mais vous pouvez le trouver très facilement vu que c'est vendu sur Sephora.fr. C'est le bronzer Hourglass. C'est pas une nouveauté, mais en tout cas c'est une nouveauté en France. Et du coup moi ma teinte, pour vous donner une idée, parce que je sais que ça peut vous aider, c'est Nude Bronze Light Bronzer Illuminant. Donc Nude... J'ai mis mon doigt dedans. Je déteste quand ça fait ça. Donc, Nude Bronze Light, voilà. Donc, ça vous donne une idée. Moi, c'est le bronzer que je mets. Et franchement, en fait, c'est vraiment cette année, j'ai été dans le côté en fait lumineux sans être brillant non plus. C'est ce genre de produit-là. L'appareil que la poudre le remercie. Vous voyez ce côté un peu nacré sans être vraiment scintillant. Vous voyez, c'est vraiment un côté en fait un glow quoi. Donc, super beau bronzer. Et voilà. Je présente pas mal de produits chers, je suis désolé, j'ai pas testé énormément de produits drugstore cette année, c'est assez étonnant d'ailleurs. Je vais essayer de remédier à ça l'année prochaine. 2020 New Me New Year. Il y a un dernier produit qui fera la jonction parfaite, même si je l'avais voulu, j'aurais pas réussi. Donc il y a deux sprays fixateurs de maquillage que je voulais vous montrer. Enfin, trois même, attendez. Vous trouvez un troisième spray fixateur, mais je ne le tue pas. Donc, moi j'ai énormément utilisé cette année la base Quick Fix de Urban Decay. J'adore l'odeur, ça sent la coco, mais une odeur vraiment très agréable de coco, pas trop sucrée. Et je trouvais qu'il avait vraiment un effet hydratant. Genre, d'habitude ils disent spray hydratant, rien, et en fait vous voyez rien. Et là, il y a vraiment ce côté cocoon et hyper agréable, franchement, super bien. Mais je le finis bientôt, donc boring. Sinon, deux sprays fixateurs que j'ai énormément utilisé, mais pas pour les mêmes raisons. Du coup, il y a le... Bon, là, c'est la collection de Jeffree Star, mais en soi, il existe en normal. C'est le spray fixateur de chez Morphe. Et en fait, c'est un spray avec un spray continu. Vous voyez, ça ne s'arrête jamais tant que vous cliquez. Donc, celui de Jeffree Star a une odeur horrible de fraises chimiques, mais sinon, il sent très bon, il sent le frais un peu. Du coup, ça, en fait, c'est un spray fixateur qui a un côté pas trop humidifiant. Du coup, moi, je l'utilise soit en mec quand j'ai pas trop envie de... trop en mettre, soit tout simplement quand je suis en drague, je fixe mon make-up deux fois, une fois tout à la fin et une fois avant de faire les lèvres pour faire mon highlight. Et du coup j'aime bien utiliser ça vu comment ça va vite et ça sèche vite. Donc il était très agréable et j'aime bien le fait que ce soit continu. Sinon un peu plus trash parce que le spray est beaucoup plus fort, mais en tout cas il tient vraiment beaucoup mieux. Enfin celui-là c'est vraiment genre, c'est limite votre spray, votre maquillage est waterproof tout en ayant une belle gueule. Parce que ça c'est le Mist & Fix, le nouveau de chez Makeup Forever qui est ressorti cette année. Et il a un côté en fait, bon le spray est horrible, il est beaucoup trop fort et ça fait des gouttes. Mais en fait moi je le fais très loin, j'en mets beaucoup. Je fais sécher après et en fait une fois que c'est sec, c'est vraiment votre make-up, il tient de ouf. Et vous savez qu'en drague, je poudre énormément mon teint et en fait moi j'aime pas avoir le teint trop poudré. Du coup après je remets ça et ça réhydrate le teint. C'est hyper agréable et franchement même pour le make-up de tous les jours, je suis impressionné par ce spray. Et voilà, et vous aurez une surprise bientôt vu que si vous ne le savez pas, il y a la version matte qui sort très bientôt. Voilà, donc après cette subtile jonction entre les soins et entre le make-up et les soins, on va passer du coup aux soins. Logique. On commence par le démaquillage. Donc le démaquillage, alors je vous présente, j'ai utilisé énormément l'huile démaquillante de chez Kiehl's, vous savez, parce qu'elles sont super bonnes, elle est hyper efficace. Mais je voulais vous présenter un produit qui je crois est sorti cette année, qui est hors de budget de tout le monde et de moi compris, hein, bien sûr, parce que je ne peux pas me payer des choses pareilles, mais bon, j'ai eu la chance de quelqu'un me l'a offert. Du coup c'est l'huile en gel démaquillante de Chanel Sublimage, donc c'est la gamme luxe luxe de Chanel. Honnêtement j'ai jamais été autant impressionné par un démaquillant. J'utilise pas en drague, j'utilise que en mec.
C'est en fait un gel avec. Vous le mettez sur la peau. Au début, c'est un peu dur de masser parce qu'il est assez épais. Et en fait, plus vous massez, plus il se chauffe et plus il devient de l'huile. Il a une odeur incroyable. C'est parfumé au camélia et ça sent, mais genre, divinement bon. C'est hyper agréable. On masse bien son visage, c'est démaquillé super bien, même le mascara. Je trouve que ce produit est incroyable. Et oui, il ne vaut pas les, je crois, 110 euros qu'il coûte, mais il est vraiment incroyable. Et si jamais vous êtes riche, puisque j'imagine que parmi tous ces abonnés, il y en a bien un, j'espère, hein, qui a la chance d'être riche, et ben, go for it. Donc, j'ai utilisé énormément ce nettoyant, et là, je viens d'ouvrir une nouvelle bouteille, un nouvel tube. C'est le Kiehl's Dermatologic Solution Clearly Corrective Brightening and Exfoliating Daily Cleanser. Comprenez par cela, exfoliant doux qui va en gros illuminer, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Donc, c'est anti-pollution, c'est illuminant, il y a des légers grains. Et moi, en fait, même si j'utilise tout, je me nettoie le visage tous les jours, j'aime bien qu'il y ait des grains parce que j'adore en fait la sensation de que je polish ma peau. Et ce que j'aime bien dans les gammes blanchissantes, enfin éclaircissantes en tout cas, c'est que souvent les produits nettoyants blanchissants ont une texture légèrement nacrée crémeuse. Et en fait, c'est une texture qui, plus vous la travaillez, plus genre ça mousse et ça blanchit. Et plus, en fait, c'est très agréable. Et je trouve que les textures soyeuses comme ça sont vraiment rares. Et il y avait une gamme chez The Body Shop qui était aussi éclaircissante sur Drop of Light, je crois. C'est une gamme blanche, pareil. Et en fait, le nettoyant était incroyable, mais ils l'ont arrêté malheureusement. Donc du coup, j'ai testé ça et franchement, il est vraiment bien. Et il mousse beaucoup mieux que les autres. Il a, en fait, je trouve que vraiment, on met un petit poids et on arrive à faire tout le visage tellement ça mousse. Donc là, c'est 150 millilitres. Honnêtement, je sais pas. Je crois que ça coûte 25 euros. Je ne sais plus. Mais honnêtement, ça les vaut parce que genre là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines et demie que je l'ai utilisé. Et voyez, il a pas descendu. Donc honnêtement, bon rapport qualité-prix. Des fois, il y a des produits chers, enfin même si c'est pas extrêmement cher, qui valent le coup. Pour nettoyer son visage, on met quoi? Un toner. Du coup, moi j'ai eu. Ça fait 2 ans que j'utilise ça. C'est le extrait d'iris de chez Kiehl's. Pareil, il y a beaucoup de produits Kiehl's vu que j'aime beaucoup cette marque et je trouve qu'ils font des produits hyper bien et pour un prix qui reste abordable. C'est fait pour mieux activer les produits que vous mettez après, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça fait une peau plus lisse, plus jeune et plus lumineuse. Et en fait, c'était un des produits, j'étais là en mode, moi j'adore faire du layering, mais en fait, à chaque fois, je vois pas de résultat. Puis bon, enfin, ma peau va pas trop mal, donc je suis là en mode, I don't know if it's better. Mais celui-là, j'ai vraiment trouvé que ma peau était plus hydratée, plus lumineuse. Et en fait, je trouve que plus vous mettez d'étapes dans vos soins, plus je trouve que votre peau, en fait, elle le ressent et vraiment, elle l'aime. Genre, c'est agréable et c'est hyper vivifiant pour la peau. Vous voyez, là, j'en suis. En gros, il me reste 2 tiers du produit et je l'ai ouvert il y a un mois, je crois. Peut-être un peu plus. Mais bref, j'adore ce produit. Vraiment trop cool. Qu'est-ce que j'ai adoré comme crème? J'ai utilisé la Youth Lotus de Fresh que j'aime bien, mais honnêtement, en fait, il n'y en a qu'une seule qui m'a marqué et que j'utilise encore, c'est la Pure Vitality Skin Renewing Cream de Kiehl's. Donc c'est une crème en fait qui est au miel de manioc, qui sent divinement bon et qu'en fait a un système très étonnant de distribution. En fait c'est un système où vous allez appuyer ici et du coup vous glissez et en fait ça sort au fur et à mesure. Donc je trouve ça assez sympa vu que c'est fait justement, à mon avis, pour éviter que l'air rentre et ça diminue et je pense du coup qu'il y a moins de conservateurs. Donc c'est une crème en fait qui a un côté revitalisant, qui va faire une texture plus lisse. Moi, mon but en fait c'est d'avoir la peau éclatante et lisse. Et du coup le miel de manucan, vous savez, c'est quelque chose qui est très cicatrisant, donc je trouve ça très cool quand on fait de l'eczéma, quand on fait des choses comme ça, c'est hyper agréable. Et franchement, elle est incroyable. Moi j'adore les crèmes assez grasses et celle-ci est vraiment géniale. Faut que je teste la crème du Groenland là. Et je vais tester la version deep qui est un peu plus intense. Mais en tout cas, celle-ci. Love you. J'ai 2 masques en tête. Un que j'ai utilisé depuis début d'année, qui vient de chez Herborian. J'adore cette marque. C'est le Bamboo Waterlock. Il sent le frais. C'est un masque gel. Alors, si vous me connaissez bien, vous savez que je déteste les textures gel. Je trouve que c'est la chose la plus inefficace au monde. Cela étant, je le mets dans ce top parce qu'en fait, ce masque gel, je trouve que c'est un des rares masques gel qui a un côté filmogène. Et du coup, en fait, vous n'avez pas un gel qui va s'évaporer, ensuite vous laissez la peau insupportable et genre pas du tout hydratée. Ça, en fait, bah, il s'appelle Waterlock et je pense que c'est pas pour rien. Vous le mettez sur votre peau, ça fait comme un masque plastifiant. Vous savez, ça reste. Il y a une partie en surface qui va rester pour contenir l'hydratation que le masque apporte à votre peau. Et ça,
j'adore. Parce qu'il est hyper simple d'utilisation. Bon, par contre, moi je dors pas avec parce qu'il est, il est collant sur les oreillers de ouf. Donc, moi je le laisse poser 15-20 minutes ou même quand je monte une vidéo pendant une heure ou des trucs. Enfin, une heure. 4. Je laisse poser celui-là. Du coup, un autre masque que j'ai utilisé depuis 2 semaines, donc c'est assez récent, mais en soi je le trouve déjà hyper efficace, c'est le masque à l'avocat de Kiehl's. J'aimerais bien tester d'ailleurs un masque un peu, vous savez, quand vous êtes un peu hungover, genre un masque instantané qui redonne de l'éclat et tout. Enfin, bref, mais en tout cas, celui-ci. Déjà, il sent l'avocat. Il a la couleur de l'avocat et on dirait de l'avocat. Alors, si vous arrivez à le voir, je pense qu'en fait, c'est pas un masque qu'on enlève facilement. C'est pas genre un truc crème. C'est vraiment un truc genre, c'est comme... Bah, en fait, comme du... Comme un avocat, vous savez, c'est très dur. Et quand vous appuyez, au bout d'un moment, ça casse et... Et vous pouvez prélever l'avocat. Un peu comme du guacamole. Enfin, c'est vraiment hyper étonnant comme texture. Et je trouve que justement, ça le rend hyper agréable à utiliser, à travailler, assez ludique. Et en même temps, il a vraiment ce côté... ils disent que c'est pour hydrater, lisser et adoucir la peau. Encore une fois, toujours les mêmes principes. Et je trouve qu'il a vraiment cette efficacité assez... C'est assez bluffant. Donc voilà. Love that. J'aurais pu en mettre plein d'autres, des masques, parce que clairement, je suis un fan de masques. Une crème que j'ai juste oublié vite fait de vous dire, c'est la Ultra Facial Cream que j'adore de base, mais là c'est la SPF 30, et du coup la SPF 30, je trouve qu'elle a une odeur de crème solaire que je déteste. Genre, et la texture change, genre c'est pas du tout la même texture, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus blanc, enfin bref, rien à voir. Et comme j'avais acheté un pot de 125 ml, donc c'est un énorme pot, hein, 125 ml hein, pour vous dire, une crème normalement c'est 50, hein, pour vous comparer ça par rapport à un pot de crème, voilà. Donc bon, du coup je l'utilise en fait comme crème de cou, parce que bon, c'est toujours bien d'hydrater son cou, vous savez, vous voulez pas vous retrouver avec un visage de 20 ans et un cou de 50. Donc je mets ça tous les jours, je fais vraiment genre cou, début du décolleté, l'arrière du cou. En fait comme il y a un SPF, ça me permet en même temps de la protéger du soleil et de l'hydrater, donc c'est un 2 en 1 facile pour une crème qui vaut pas très cher, je crois qu'elle est à 30 €, et pour un pot de 125 ml, ça fait un an que je l'ai, j'en suis, il m'en reste grosso modo un peu plus de la moitié. Donc c'est vous dire, franchement hyper économique et au moins ça me permet de l'utiliser. Donc voilà, je vous le dis, si jamais vous avez des crèmes comme ça que vous aimez pas utiliser, au moins pour votre cou, ça vous permettra de l'hydrater et de le garder jeune. On passe à un dernier produit pour le en soin. Du coup c'est une crème de corps, donc c'est la c'est une crème de corps et c'est la crème de corps plutôt de chez Kiehl's. Donc c'est la crème de corps de la catégorie de la gamme de Noël, mais en fait c'est une crème qui existe tous les jours, c'est juste que là elle est décorée pour Noël et qu'une partie de revenus revenait à une association LGBT, donc c'est vraiment très cool. Et en fait c'est la crème, c'est comme une crème fouettée, c'est vraiment, vous voyez, très aérien, ça sent incroyablement bon. Elle est faite normalement avec du lait de soja et du miel. Honnêtement ça sent la coco, hein. Ça sent pas du tout le miel, mais la texture est vraiment incroyable et enfin moi j'ai juste adoré l'utiliser. Genre c'est vraiment ma crème préférée, je l'ai déjà racheté une ou deux fois je crois. Donc c'est, enfin pour vous dire, pour que je rachète un produit, c'est vraiment pour que j'en finisse un et que je le rachète, c'est vraiment assez rare. Donc c'est que ça veut dire beaucoup. Mais honnêtement, oh mon dieu, les parfums. J'en ai un milliard que j'ai aimé, notamment celui que je mets tout le temps en automne, mais étonnamment j'ai pas mis beaucoup cette année, c'est le Noir Extrême de Tom Ford. Sinon du coup en mec, j'ai mis 3 parfums. Tous des parfums frais, même en hiver. Un de mes parfums préférés, inconditionnel, que j'aimerais beaucoup parfumer mes draps avec, mais ça coûte beaucoup trop cher, c'est le Jardin de Monsieur Lee de Hermès. Vraiment. Alors si je me trompe pas, il y a du néroli dedans, et c'est, enfin, de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger ? Non, c'est du jasmin qu'il y a. Il y a du jasmin, et du jasmin de travailler de façon à ce que ça fasse frais et pas vieux, et ce que je trouve hyper agréable. Franchement... Une tuerie ce parfum, une tuerie. Sinon, chez Chanel, que je l'utilise autant en drague qu'en mec, c'est le Chance Eau Fraîche, pas Eau Vive, Eau Fraîche, qui... Alors, j'ai aucune idée des notes, moi je suis nul pour les parfums. Celui-là, en fait, par rapport à l'autre, il est frais, mais il a un côté pétillant. C'est beaucoup plus vivifiant. Et ouais, j'aime énormément ça. Franchement, en fait, en drague, j'utilisais beaucoup Coco Mademoiselle, mais le problème de Coco Mademoiselle, c'est que je trouve pas que ça fait pouf, mais... Je trouve que ça fait femme-fille, mais des fois c'est un peu trop sucré. En fait, quand on est en drague, des fois on a chaud et tout. En fait, j'ai pas du tout envie de mettre quelque chose de sucré, je veux quelque chose de frais et du coup je mets celui-là. Et j'aimais beaucoup autant, mais honnêtement, Eau Fraîche, c'est une petite préférence. Sinon, un parfum génialissime et incroyable et que vous pouvez avoir en l'odeur que vous voulez, vu qu'au final c'est un parfum sur mesure. Donc là, la bouteille est juste en édition limitée, mais sinon, la bouteille est en fait est un peu comme le capuchon, une espèce d'argent chromé sublime. Alors là, en fait, ça sent.
Comme les cosmétiques en fait, parce que ça c'est l'odeur 125, donc c'est la marque, c'est Sillage. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. C'est une marque en fait où vous pouvez faire votre parfum sur mesure si vous voulez. J'ai expliqué le principe en deux mots. En gros, vous avez, si vous voulez, vous allez sur le site, vous pouvez par exemple dire je veux un parfum avec la feuille de figue. J'adore la feuille de figue. Ensuite, ça va vous réduire à une seconde odeur que vous pouvez prendre mais qui va forcément aller avec la première, comme ça vous êtes sûr de pas pouvoir mélanger des choses horribles ensemble. Du coup vous faites ça et ensuite ça vous réduit encore et etc etc. En fait vous pouvez ajouter des fragrances et ça va vous le concocter pour qu'il aille. En fait si vous voulez vous avez une équipe de 6, 5 je sais plus parfumeurs qui tous les jours font des nouvelles odeurs et font en sorte qu'en fait tout aille ensemble, ce qui fait qu'en fait vous pouvez pas fabriquer votre parfum de A à Z comme vous le voulez. Genre vous pouvez pas mélanger par exemple du réglisse, de la menthe, de la vanille avec un petit peu de bonbons de barbapapa et de lait, ou je sais pas, des odeurs qui vont pas ensemble, parce qu'en fait ce sera juste pas une odeur sympa. Du coup le but c'est en fait de faire des parfums sur mesure mais qu'on soit sûr qu'ils aillent, parce que le but c'est aussi que vous vous déplacez pas à Paris tous les jours pour aller chercher votre parfum sur mesure. Donc pour ceux qui habitent en province c'est hyper pratique, vous pouvez le faire, vous êtes sûr que ça sent bon, et quand ils l'envoient, ils envoient deux échantillons du parfum plus un autre qui ressemble. Comme ça vous pouvez sentir votre parfum avant de l'ouvrir. Si ça vous plaît, vous le gardez. Si ça vous plaît pas, vous le renvoyez. Et vous avez d'autres options qui vous sont envoyées en plus, qui ressemblent, pour que si vous le renvoyez, vous ayez de quoi vous retourner en fait. Donc c'est hyper pratique. Et moi du coup j'ai la fragrance 125 qui est une fragrance inspirée des cosmétiques. Youtubeur beauté bonjour. Du coup elle est inspirée des cosmétiques. En fait elle est inspirée des cosmétiques de luxe qui ont une odeur assez fraîche. Et en fait quand vous le sentez c'est vraiment ça. C'est une odeur fraîche. Sans qu'en fait il y ait ce côté crémeux chaud. Genre c'est hyper étonnant, mais honnêtement c'est hyper agréable et ils ont 1 milliard de fragrances. Vous avez forcément quelque chose qui vous plaît. En plus les parfums sont pas chers, vu que je crois que c'est 100 ml, 80 euros, quelque chose, enfin 50 ml, 80 euros, enfin, je sais pas. Le plus cher est à 80 euros, en tout cas, sachant qu'un Chanel va vous coûter je sais pas 115, et ça c'est pareil. Donc ça peut être une alternative, surtout que vous pouvez trouver des parfums assez similaires à ce que vous portez déjà. Voilà, est-ce que je vous ai tout présenté? Bref, sur ce, je vais vous faire un dernier petit message gentil. Parce que j'ai envie de vous faire ça et que je vous ai rien dit pour Noël, parce que j'avais pas de raison. Bref, le nouvel an, c'est pour tout le monde, donc je préfère faire ça pour le nouvel an. Je voulais vous remercier, vous tous, autant que vous êtes, d'avoir été là avec moi toute cette année, de continuer à être là, de vous être abonné, d'avoir activé les cloches de notification, de m'avoir suivi sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment... En fait, si vous voulez, on se dit souvent en fait que c'est ridicule, que c'est que Instagram, que c'est que du virtuel. Mais étonnamment, en fait, quand j'ai des retours de certains d'entre vous qui me disent « Tu m'as aidé, grâce à toi, j'ai pu maquiller, regarde, c'est mon premier maquillage au lycée, regarde, j'ai commencé le drag, regarde, je m'intéresse à un make-up artistique, quelle école tu me conseilles de faire, etc. » Et que je vois des gens comme ça, en fait, moi, ça me rappelle quand... Moi, j'avais genre 14 ans, que j'habitais dans un tout baumé en Ardèche et que je rêvais en fait de pouvoir faire des choses cool avec du make-up et tout, mais qu'en fait, en Ardèche, tu pouvais pas faire trop ça sans être dévisagé de ouf. Et qu'en fait, même si j'ai envie de dire, c'est pas... Je fais pas de politique et je suis pas en mode, tu sais, à revendiquer des choses, mais en fait, ça m'a appris que ce que je faisais, c'était une sorte de politique passive, vu qu'en soi, j'arrivais... J'arrivais comme d'autres justement à montrer que c'est possible et à m'assumer comme je suis, et du coup en fait ça vous montre à vous aussi que c'est possible. Je me souviens moi quand j'avais 14 ans et que je suivais Hélène Mon Bloc de Filles, Steve That Boy, etc etc, et qu'en fait je suivais tous ces gens là, Going Cohen, je sais pas si vous vous souvenez, en Amérique, et enfin Jeffree Star vu qu'il était déjà là. C'était des choses en fait où ça me donnait envie d'acheter, mais ça me donnait pas seulement envie d'acheter, ça me donnait aussi envie de me maquiller, envie de faire des choses qui me plaisent. Et je me souviens genre quand j'étais heureux, quand genre par exemple là j'ai présenté 1 milliard de produits, imaginons que genre j'ai pas énormément d'argent et que j'achète juste je sais pas le spray fixateur, et ben en fait quand je le recevais, je me souviens à quel point j'étais heureux d'avoir cette chose entre mes mains. Et du coup je me dis que si ça vous fait le même effet, et je sais que ça le fait à certains vu que j'ai reçu des messages disant que je pensais pas que c'était capable de faire ça, mais je suis tellement content et ça me rend tellement heureux de savoir que grâce à ce que je fais, grâce aux vidéos que je fais chez moi dans mon petit appartement, en fait ça donne de l'espoir à certains, et même ça donne envie à certains de faire des choses qu'ils ne seraient jamais, ou ça montre à certains que c'est possible, que ce soit ça ou le drag, hein. C'est en fait ça me fait vraiment plaisir, vu que vous savez que moi ma chaîne je l'ai faite principalement pour
partager des choses que j'aime, pour que ce soit des futilités ou non, mais en fait, je suis hyper content de savoir que c'est pas juste des futilités, que c'est pas juste du maquillage, en fait, ça va un peu plus loin, et que ça va aussi chercher vers ce qu'on aime faire, c'est l'acceptation de soi, et en même temps, se découvrir et faire ce qu'on veut avec son visage, avec son corps, avec ce... Enfin, voilà, en fait, être tout simplement qui vous êtes, et c'est hyper agréable, et je vous remercierai jamais assez des messages que vous m'envoyez. Je réponds vraiment à la plupart d'entre vous, et désolé s'il y a un certain que j'oublie de répondre, mais sachez qu'en tout cas, tous les messages sont lus, et franchement, c'est juste... Ça me fait vraiment plaisir, tu vois, parce qu'il y a des moments... Tu vois... Parce qu'il y a des moments, si tu veux, où je suis un peu là, seul, et il y a des moments forcément de down, où t'es un peu là, bon ben ok, cette vidéo a pas marché, ça leur plaît peut-être pas, bon ben ok, les gens veulent qu'on m'agresse sur Twitter, ou je ne sais quoi, pour telle chose, telle chose, telle chose, et en fait, il y a des fois où je me dis vraiment, mais est-ce que ça sert à quelque chose que je fais? Et quand je vois des... Et quand je suis dans le down et que je vois certains messages, et je reçois des messages de gens qui me remercient pour le travail que je fournis et les efforts que je fais en plus, parce que en fait c'est un truc que vous savez peut-être pas, mais à côté de YouTube, d'Instagram, du drag, de tout ça, j'ai un 37 heures chez... Enfin, j'ai un boulot quoi, un boulot pour payer mon loyer, etc. Et du coup, en plus de ces 37 heures, je me lève tôt, je rentre chez moi tard, je rentre chez moi, je tourne une vidéo comme aujourd'hui, là il doit être 23 heures, et après il faut que je la monte. Je me couche à 2h du matin des fois pour monter des vidéos, je vais faire des shootings le week-end, je dessine mes tenues, je vais voir des créateurs pour qu'on les confectionne ensemble, j'imagine des perruques, j'imagine des performances, je fais mes mix, etc. Et en fait, je sais que tout ça, en fait, je le dis pas parce que bah, en fait, j'ai pas envie de vous dire tout, enfin oh mon dieu, je fais tout ça et en tenant, parce que je suis pas à plaindre, clairement c'est moi qui choisis d'avoir la vie que j'ai, mais c'est en fait, c'est juste que des fois, vous savez, des fois il y a des moments, des gens en fait qui comprennent pas, qui disent ah mais t'es sérieux de pas dire bonjour, ah mais t'es sérieux, comme récemment ce qui est arrivé, de pas dire joyeux Noël dans ta vidéo et tout, et j'étais là en fait, c'est hyper blessant parce que les vidéos, comme notamment celle sur laquelle on m'a dit ah mais t'as pas dit joyeux Noël, t'es sérieux et tout, j'étais là, mais en fait tu te rends pas compte que cette vidéo, genre je me suis couché à 2h du matin, à 2h30 du matin la veille, alors que je me lève à 7h du matin pour vous la poster le jour J pour qu'elle soit à l'heure et tout, et je vous fais ça, je vous fais des concours assez régulièrement et tout, et en fait, et je venais de faire un shooting, je venais de faire plein de choses, enfin tu vois, je m'étais vachement investi pour que en fait j'essaye d'éviter de, je veux pas faire moins de vidéos, et malgré le fait que j'ai moins de temps, je considère que YouTube est toujours très important dans ma vie, et des fois en fait ce genre de message, je suis là mais waouh, c'est quand même hallucinant que les gens s'arrêtent à ça alors que le sujet de la vidéo c'est pas ça, c'est pas Noël. Et en fait, ça se trouve, peut-être je fête pas Noël. Peut-être que j'ai été traumatisé par Noël. Peut-être que, en fait, ce qui s'est passé, c'était que, ben, tout simplement, à cause de mon travail, j'ai pas pu rentrer voir ma famille pour Noël. Et c'était la première fois de ma vie que je passais Noël si loin de ma famille. Et en fait, ben, il y a des gens que ça affecte pas, mais moi, ça m'a affecté. Et c'est juste qu'en fait, après l'effort que j'ai fait de me coucher à 3h du matin pour poster cette vidéo, de me lever tôt, et que je vois ce commentaire, alors que je sais que le lendemain, en fait, je suis pas avec ma famille pour Noël. J'étais là, mais franchement, sérieusement, c'est hyper, hyper, hyper blessant. Et en fait, certains ne se rendent pas compte le travail qu'il y a derrière toutes ces futilités, toutes ces photos, toutes ces trucs qui paraissent ultra simples à faire. Mais en fait, ça ne l'est pas. Et ces lumières, cet appareil photo, ces vêtements, les perruques que je mets, en fait, tout ça, j'ai travaillé pour l'avoir et je n'ai pas de l'argent qui tombe du ciel. Et je ne gagne pas 3000 euros par mois. Donc en fait, quand j'achète des perruques, ça veut dire que j'achète moins à manger, ça veut dire que ben, mon loyer sera plus compliqué, ça veut dire que ainsi de suite, et c'est mes choix, et je me plaindrai jamais pour ça, parce que en fait, si je veux manger correctement, enfin genre en mode super bien et tout, acheter ce que je veux, acheter des vêtements et tout, ben en fait j'achète pas de perruque, vu que c'est en soi une perruque, c'est une futilité, j'achète pas de tenue de drague, vu qu'en soi ben, c'est des futilités, mais c'est juste qu'en fait moi je considère que ben, j'ai pas envie de me réveiller à 30 ans et me dire bon ben j'aurais pu faire ça mais je l'ai pas fait parce que ben j'ai préféré avoir un petit confort de vie plus simple, et en fait j'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai pas envie de me réveiller genre dans 10 ans et me dire ah putain j'aurais pu faire ça mais j'ai pas essayé, donc je fais mon maximum, enfin mon maximum, je fais de mon mieux plus tôt, je tente des choses à des trucs
que je sais que je ne peux pas pourvoir. Je lance des messages à n'importe qui, j'envoie des messages à des marques, j'envoie des messages à des magazines, à des choses comme ça. Comme ça. Parce que je me dis, en fait, ce qui ne tente rien n'a rien. Et tant que vous ne faites pas de votre max. Enfin, je veux dire, si je réussis pas dans ce que je veux, qui est en soi YouTube, le drag, tout ça. Ben, au moins, j'aurais pas de regrets parce qu'en fait, j'aurais, pour moi, fait de mon mieux. Bref. Du coup, voilà. Donc, en fait, ce que je veux, c'est juste surtout pas avoir de regrets. Enfin, je suis parti un peu loin, excusez-moi. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça parce que je me dis qu'il y a un moment où je peux être un peu plus vrai. Je pense que c'est pour la nouvelle année, pour vous représenter qui je suis. Donc voilà, donc en gros, qu'est-ce qui va se passer cette année? Ben écoutez, on va continuer à faire ce qu'on fait et on va essayer de le faire encore mieux. Vous voyez, j'ai investi dans plusieurs fonds, etc. Je vais essayer d'améliorer les choses. J'ai des vidéos qui arrivent assez intéressantes avec des personnes très intéressantes. Et moi-même, j'ai vu que les vlogs vous plaisaient de plus en plus. Du coup, j'essaye de rendre la chose un peu moins face cam. Et je fais justement des espèces de vlogs où je vous transporte en même temps que je fais du drag, etc. Pour vous faire vivre en fait ce que c'est le drag. Voilà. Enfin, ce que c'est d'être une drague, parce que c'est quelque chose, quoi, d'être drague, c'est vraiment quelque chose de tous les jours, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez voir en 2020. En tout cas, moi, j'ai hâte de passer cette année avec vous, et je vais juste dire un pronostic, comme ça, moi, on va essayer de... Genre, je regarderai cette vidéo dans un an et je verrai où est-ce que j'en suis. Donc, objectif de cette année, avoir les 100 000 abonnés sur Insta et peut-être sur YouTube si c'est possible. J'aimerais beaucoup arriver à 100K partout, ce serait assez cool. Enfin franchement, ce serait une belle... Enfin voilà, 100 000 abonnés, c'est quelque chose quoi. Donc bon, j'aimerais beaucoup faire ça et... Qu'est-ce que j'aurais comme projet autre? J'aimerais arriver à passer en 25 heures à mon travail pour pouvoir faire plus de drag et m'investir davantage dans l'art que j'aime faire. Et voilà, ce sera je pense les deux principaux... goal de mon année dans ces zones là quoi. Enfin, après cette longue vidéo que j'espère vous avez regardé jusqu'à la fin, il ne me reste plus qu'à vous dire du coup à la prochaine. Avant ça, je vais remettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc je mets ce rouge à lèvres là, Makeup Forever Artist Blush, que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans mes favoris, c'est la couleur 300 je crois. Donc j'en mets un peu au centre. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très belle année à tout le monde. Bon courage, n'hésitez pas à venir me parler dans les réseaux sociaux, sur Instagram, à commenter cette vidéo, à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi, sachez qu'en tout cas, je vous aime très fort et je vous remercie encore tous d'être là. À bientôt. Hold tight.